commence à faire quelque chose, puis le répertoire, il change avec les années. Oui. Bon, remarque, quand on a commencé les cordes, quand j'ai commencé les cordes en 1979, sans la concentration, étant violoniste piètre, j'ai commencé à 30 ans. Puis, alors, j'utilisais la méthode Suzuki, le répertoire Suzuki, qui fait appel beaucoup à l'oreille, et qui est une sorte de troisième professeur, de deuxième professeur. L'élève écoute son CD ou sa cassette ou son vinyle à l'époque. Et puis déjà, il y a beaucoup de détails de justesse qu'il va acquérir sans que le professeur puisse ait à intervenir. Et quand est arrivé, donc, dans l'aiguillier, le répertoire, c'est un répertoire simple que je créais personnellement. J'ai toujours adapté au début mon répertoire. Quand est arrivée la concentration, on est arrivé avec des élèves qui avaient déjà fait de la musique au primaire et qui étaient des petits génies parfois. On a eu des élèves qui avaient gagné des concours, qui venaient déjà à notre école. De sorte qu'on avait des classes très asymétriques, avec un Marc-André Gauthier en secondaire 1, là, et puis un autre Gauthier, qui lui était débutant, puis il grattait, puis l'autre voyait le concerto de Wieniawski, qui comprend-tu, dans la même classe. Alors, j'ai rapidement été amené à créer des arrangements à différents niveaux, où les premiers violons vont travailler très fort, et les deuxièmes violons sont très... Donc, j'ai beaucoup adapté mon répertoire. J'ai peu utilisé le répertoire tout fait, parce qu'il n'y avait pas de répertoire tout fait. Sinon, un répertoire tout fait, c'est risque d'écœurer tout le monde, parce que pour les avancés, c'est beaucoup trop facile. Pour les débutants, c'est trop difficile. Alors, j'avais un répertoire asymétrique qui a évolué beaucoup, mais qui oscillait entre le classique, le populaire pop et le folklore. C'est le son des trois créneaux. C'est moi. Justement, le folklore, c'est quand même une musique importante au Québec. J'aimerais savoir comment vous faisiez pour intégrer ça aux élèves, parce que originalement, le folklore, c'est une musique qui n'est pas écrite comparativement à la musique classique. C'est quelque chose qui est transmis un peu verbalement. Oui. Et j'aimerais savoir comment qu'on l'intègre dans une situation pédagogique. Comment qu'on intègre ça en pédagogie, le folklore, en fait? Okay. Ça, en pédagogie, c'est une bonne question. Tu veux enseigner un reel à des élèves, un reel, bon. Si tu es un folkloriste ou un suzukiste, c'est un petit peu la même chose. Le suzukiste dit écoute ton disque, puis écoute ce que je joue là, ta 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 ta, pam, répète. Écoute, répète. Ça va être snobé par les puristes qui lisent. Hein, mais il y a quelque chose de très vital là-dedans, puis il y a quelque chose qui passe, qui déborde les notes. Je vais enseigner un reel aux élèves. Je peux leur dire, voici la première phrase, écoute là, avec le style, répète. Je peux leur enseigner comme ça, au complet. On va snobber cette manière d'enseigner. Mm-hmm. Et c'est sûr qu'avec en concentration, il faut que les élèves apprennent à lire aussi, tu n'as pas le choix. Tu peux aussi leur donner la partition. C'était quoi la partition du reel d'étendure, mais bon. C'est un instantané de la version d'un folkloriste qui lui l'a écrit de même, mais l'autre va l'interpréter d'une autre manière, Dès que la musique folklorique est figée sur une note, mais là, ça devient la référence, ou une référence. Mais une pièce folklorique a plusieurs versions, a une vie autonome. C'est sûr que dans le domaine de l'enseignement, on doit passer par l'écriture en bout de ligne. Mais c'est assez intéressant de l'enseigner parfois aussi par tradition orale, par écoute, répète, comme tu as appris à parler. Le folklore, c'est sûr que le folklore est quelque chose de très vivant, très vigoureux, puis très vital. Mais ils vont aimer le classique et le folklore. J'ai jamais vu de violoniste snobber un Rigaudon, une pièce tzigane, par exemple. On a des pièces tziganes, belles ou italiennes, très pas mal. C'est des pièces qu'ils préfèrent jouer, mm-hmm. effectivement. Mais là, pour jouer ces pièces-là,
ça déborde la lecture. Mm-hmm. Le violonnier qui joue avec tout le style et l'énergie, là. C'est sûr qu'il n'est pas là, il ne fait pas ta 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 qui va justement déborder la lecture, qui va y ajouter là, à Vivaldi la sève de la vie. Le conte que je vais vous conter aujourd'hui, c'est le conte du petit Roubambert. Une fois, c'était une petite vieille qui réfléchissait dans le fond de bois. Elle avait un petit garçon. Le petit garçon s'appelait Tijan. Il vivait bien misérablement. De chasse et de pêche. Quand il prenait de quoi, il mangeait. Quand il prenait rien, il mangeait pas. Un jour, mon Tijan. Justement, pour continuer avec les musiques folkloriques intégrées dans l'enseignement, vous avez souvent parlé de légendes. Donc, quelle influence la transmission de ces légendes peuvent avoir sur les élèves? Quels sont les impacts? Qu'est-ce qui les allume là-dedans? Ah oui, peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent là, tu fais référence au fait que je contais à mes élèves de musique, de tous les cours effectivement, des contes que mon grand-père m'a enseigné. Mon grand-père était un illettré. Il est né en 1885, il ne savait ni lire ni écrire, pas parce qu'il n'était pas intelligent, parce qu'à l'époque, il allait à l'école jusqu'en deuxième année, ça finissait là. Mais tout ignorant qu'il était au niveau de la lecture, il avait une mémoire phénoménale. Et dans les camps de bûcherons, il avait travaillé, il avait entendu des contes, et il avait mémorisé, il les avait intégrés, et il nous les comptait. Et puis, je me suis mis à compter ces contes-là à mes élèves, à raison peut-être d'une demi-heure, ou dans le temps des fêtes, ou à la fin d'une étape, ou un vendredi après-midi, quand c'était bien tannant, bien fatigué, ce qu'on voit. Au fond, mon premier but, c'était d'avoir la paix, tu sais, à un moment donné, quand ils sont bien tannants, petits monstres, là, tu leur comptes un conte. Mais c'est après coup, j'ai vu qu'effectivement, là, ces contes-là, tu comptes ça à des enfants de deuxième année, dans les élèves, à des élèves du secondaire, à des moniteurs de camp de vacances qui ont 22 ans, à des gars en côte de cuir, en cheminement particulier, qui te regardent, tu as besoin d'un qui te sort un couteau. Mais ils écoutaient, tout le monde écoute avec la même profondeur, je dirais. Mais il reste que c'est un outil pédagogique, mais je réalise, là je me disais, je suis un peu un imposteur, parfois, de faire de la tradition orale, parce que c'est pas de la musique, ça. Mais effectivement, oui, je fais un lien entre le fait de transmettre quelque chose par l'oreille et prendre un violon et jouer et dire « écoute-moi ouais. ». D'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, dans les religions africaines, celui qui fait la musique, celui qui compte les légendes, c'est le même. C'est le griot. C'est lui qui transmet et la musique et la légende. Même les légendes étaient transmises par chant. On chantait les chansons de geste ou les Moyen-Âge. Tu sais, on va transmettre par le chant. Il y a un grand lien dans la transmission orale entre le conte, la légende, la musique. Que tu as une similitude de procédure. Et le fait de présenter des légendes, de présenter des musiques moins classiques aux élèves, est-ce que vous pensez que ça les aide dans leur ouverture d'esprit? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent devenir plus ouverts face à d'autres cultures, face aux autres, tout simplement? Ah oui, je pense, oui. Parce que c'est une communication directe, avec d'humain à humain. Non pas d'humain à écran, d'humain à texte. Moi, je communique avec les humains, j'aime beaucoup la lecture, les romans, les essais. Quand je lis un essai, un français, sur un autre sujet, je communique avec lui. Je regarde un film, je peux communiquer, mais communiquer avec une personne en direct, c'est autre chose.